صافي هادشي، صافي لا كلشي كلشي كتخلص البيتزا، ماشي مشكلة يعني، يعني ماشي مشكلة. قلم ماذا شوية، يلا باي باي. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors on va donc démarrer la séance, même s'il y a beaucoup d'absents. OK. Alors je vais laisser provisoirement le micro ouvert à tout le monde pour interagir, pour poser des questions. S'il y a du bruit ou autre chose, je vais fermer les micros. Okay?
Bien. Durant la première séance, nous avions essayé un peu de parler de l'utilité de l'analyse financière et des outils de l'analyse financière. Alors, vous allez trouver presque la totalité donc, de ces informations dans ce document que je vous ai déjà envoyé. OK? Alors, parmi les outils de l'analyse financière figure le bilan financier. Qu'est-ce qu'un bilan financier? Un bilan financier, je passe directement au bilan financier pour gagner du temps, c'est un bilan qui est retraité, qui est recalculé. Donc, c'est un bilan qui se base sur la situation comptable. Et on va essayer donc de nettoyer, entre guillemets, le bilan comptable en supprimant tout ce qui n'est pas valeur, qui est une non-valeur, qui n'a pas de valeur, en reclassant les postes selon leur durée. Tout ce qui est à court terme, on va le mettre dans le bas du bilan. Tout ce qui est plus d'un an, on va le mettre dans le haut du bilan. Donc, on va essayer un peu de revoir la véracité, la teneur de chaque poste comptable. Parce qu'un financier, ce n'est pas comme un comptable. Un financier doit connaître l'état de santé de l'entreprise, qu'il gère sa rentabilité réelle, non pas uniquement comptable. Alors, je rappelle un peu ce que nous avions déjà évoqué la semaine dernière. Parmi les retraitements, on commence par ce qu'on appelle les actifs fictifs. Je vous avais demandé d'être muni par le plan comptable, du plan comptable, pour essayer un peu de comprendre les postes et les sous-postes. Alors, dans les actifs fictifs, vous allez trouver les frais d'établissement, les primes de remboursement des obligations, les charges à répartir, etc. Est-ce que vous avez le plan comptable? Est-ce que tout le monde a le plan comptable? Oui, monsieur. Très bien. Alors, les actifs fictifs, pourquoi on les appelle fictifs? Parce que ce sont des actifs qu'on ne peut pas vendre, qui n'ont pas une valeur marchande. Ils sont utiles à l'entreprise, mais on ne peut pas les vendre. Donc, si on ne peut pas les vendre, c'est comme s'ils n'existaient pas dans la société. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les éliminer du côté de l'actif pour leur montant net, retraitement, les retrancher pour leur montant net, leur montant net à l'actif et les retrancher des fonds propres au passif pour maintenir l'équilibre. OK? Les charges constatées d'avance, ce sont des charges qui sont liées à d'autres exercices, mais qui ont été comptabilisés durant cet exercice. Donc, ces charges-là, on va aussi les éliminer de l'actif et des capitaux propres, comme les actifs fictifs. Les immobilisations peuvent connaître une variation de valeur. Par exemple, un terrain qui était comptabilisé pour 1 million de dirhams, qui vaut aujourd'hui 5 millions de dirhams. Donc là, en tant que financier, on va se baser sur les 5 millions de dirhams et non plus le 1 million de dirhams. C'est-à-dire qu'on se base sur la valeur du marché, la valeur d'aujourd'hui des immobilisations. Donc on va ajouter les 4 millions de l'actif et on va ajouter les 4 millions de les capitaux propres. Ça s'appelle plus-value. Les effets de commerce escomptables, ce sont des effets sur lesquels on peut obtenir des avances d'une banque. Donc, c'est comme s'ils représentaient de la trésorerie. Ces effets de commerce, on va les retrancher des valeurs réalisables clients et contrats attachés, et on va les ajouter au poste de trésorerie, aux banques, etc., au niveau de l'actif. Stock sécurité, c'est des stocks minimums que toute entreprise doit détenir pour ne pas interrompre donc son activité. Donc, ce stock, il est permanent, donc il va être assimilé à une immobilisation. On va le retrancher des valeurs réalisables, des valeurs d'exploitation, pardon, et on va les ajouter à autre immobilisation. Dépréciation ou détérioration des créances et des stocks. Un client douteux ou pré-douteux, vous avez certainement étudié ça. Donc, un client douteux non provisionné. Donc, il faut retrancher la partie douteuse du poste client et les retrancher des capitaux propres pour maintenir toujours l'équilibre. La même chose, un stock obsolescent ou qui perd sa valeur, on va retrancher la valeur perdue des stocks et on va la retrancher des capitaux propres du passif, etc. Les valeurs de placement qui sont des titres donc, qui sont placés à court terme, lorsqu'on achète des actions, des obligations à court terme pour les revendre,
Donc, on va, s'ils sont liquides, c'est-à-dire s'ils sont facilement cessibles, facilement négociables, on va les assimiler à de la trésorerie. Donc, on va les retrancher des valeurs réalisables et on va les mettre dans la trésorerie active. Écart de conversion actif. Dans l'écart de conversion actif, certainement vous l'avez vu en comptabilité, c'est un poste qui permet de régularisation, qui permet de constater une perte provisoire ou latente de change suite à une dépréciation de devise sur une créance ou une appréciation de devise sur une dette. Donc cette perte ou latente de change, comme il est provisoire, par prudence, on va l'ignorer, donc on va annuler ce compte en restituant le montant d'origine au niveau donc, des postes concernés. On prendra des exemples par la suite, ça deviendra beaucoup plus facile. Le retraitement au passif, on commencera par le résultat. Donc, comme le résultat du bilan il est établi avant distribution des dividendes décidé par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires. Donc nous, on va se baser sur le PV de cette Assemblée générale et on va, s'il y a une partie qui va être distribuée, on va la retrancher du résultat et donc des capitaux propres et on va la mettre dans associé dividende d'un pays, c'est-à-dire dans les dettes à court terme. Alors, les subventions d'investissement, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Allô? Non, monsieur. Alors, subventions d'investissement, ce sont des aides données par l'État dans le cadre d'un programme d'investissement qui respecte certaines normes établies par l'État. Alors, par exemple, si vous achetez un camion subventionné, par exemple pour 2 millions de dirhams et que l'État vous donne 20% de subvention, alors 20% des 2 millions de dirhams, c'est 400 000 dirhams. Alors, ces 400 000 dirhams doivent être reprises chaque année au compte de résultat en fonction du taux d'amortissement du camion. Si le camion est amorti sur 10 ans, donc comme il a été acheté à 2 millions, donc chaque année on va amortir 200 000. Et on va amortir aussi, entre guillemets, ou reprendre la subvention de 400 000 dirhams sur 10 ans. Donc, chaque année, on va reprendre combien? 40 000 dirhams. Donc, 40 000 dirhams qui va être reprise. Donc, il va descendre en dessous au niveau des dettes à court terme. Provision pour risques et charges, elles sont assimilées à des dettes à moyen long terme. Parfois, certaines provisions n'ont plus d'objet ou elles sont devenues inutiles. Donc, on va les reprendre, les annuler. Lorsqu'on annule une provision, qu'est-ce qui se passe? Le résultat imposable augmente et on paye l'IS, donc ça comporte 30% d'IS, dette à court terme, dette fiscale, et 70% va être logé dans les réserves et donc dans les capitaux propres. Les dettes de financement, c'est généralement dette à plus d'un an, mais parfois il y a une partie qui va être remboursée durant la même année, donc à court terme. Donc il faut retrancher la partie à moins d'un an des dettes de financement et les mettre dans les dettes à court terme. Et ainsi de suite, donc on aura l'occasion donc de traiter plusieurs bilans financiers et on aura l'occasion de faire le tour de tout ça. Les comptes courants associés, ce sont des dettes à court terme, sauf s'ils sont bloqués plus d'un an, là par convention on va les mettre dans les dettes à moyen long terme, dans les dettes de financement. Alors, les retraitements hors bilan. Sinon, hors bilan, ce sont des opérations qui ne figurent pas dans le bilan et qui figurent dans les annexes. Il y a deux opérations qui sont souvent utilisées, c'est les effets escomptés non échus et le crédit bail. Okay? Alors, les effets escomptés non échus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un effet sur un client, par exemple 100 000 dirhams sur 2 mois. Vous allez l'encaisser dans 2 mois, mais vous avez besoin d'argent aujourd'hui. Donc, vous adressez à votre banque, vous demandez l'escompte, ça veut dire que la banque va vous donner les 100 000 dirhams tout de suite au lieu d'attendre les 2 mois. Alors, quand il vous donne cet argent, où est-ce qu'il va apparaître? L'argent va apparaître dans la trésorerie de l'entreprise.
et il va disparaître du poste réalisable parce que l'effet a été remis à la banque. Le problème ici, c'est que si jamais l'effet revient impayé, c'est-à-dire à l'échéance, votre client ne paye pas. La banque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous débiter du compte de la banque, il va vous prendre les 100 000 dirhams qu'il vous a avancés et il va vous restituer l'effet. Donc là, il y a un problème. Donc, comment on doit faire? Donc, on doit faire figurer l'effet escompté dans le compte réalisable et on doit créer en contrepartie un compte dans avance au niveau du passif, avance bancaire, bien du même montant. Et ainsi de suite, donc il reste le crédit bail. Voilà, il convient d'une part de réintégrer le montant des effets escomptés non échus aux créances clients, voilà, dans le crédit client, puis d'augmenter les dettes financières à court terme du même montant, donc le passif bancaire. Alors, le crédit bail, dernier poste, qu'est-ce qu'un crédit bail? C'est le leasing, je crois que vous savez qu'est-ce que c'est. C'est lorsqu'une entreprise acquiert une immobilisation, un matériel, un hangar auprès d'une société de leasing et il va payer des loyers périodiques, soit mensuels, soit trimestriels, soit annuels, etc. Donc, ce bien qu'il vient d'acheter, par exemple, un camion, il ne figure pas dans le bilan parce qu'il n'appartient pas à la société. Or, aujourd'hui, on trouve beaucoup d'entreprises qui utilisent tout le matériel d'elle par leasing. Donc, aucun équipement, aucune machine ne figure sur le bilan. Et donc, vous allez trouver un bilan presque vide, alors que c'est une entreprise qui travaille avec des équipements, ce qui est absurde. Donc, c'est quoi la recommandation des experts? C'est qu'on doit réintégrer le camion au niveau donc des immobilisations de moyens matériels de transport et mettre dans le passif, donc on doit le réintégrer pour sa valeur brute et les dotations, ce qu'on assimile aux dotations et donc la valeur nette. Et du côté valeur nette, on doit mettre le même montant côté passif au niveau des dettes de financement parce qu'on va assimiler le crédit bail à une dette à moyen et long terme. OK? Alors, donc je vais essayer un peu d'arrêter à ce niveau-là. On va passer à prendre un petit exemple très simple ensemble, on va le faire. Alors, pour retraiter le bilan comptable, donc vous allez tracer sur une feuille de cahier si vous avez, à de la fiche avec laquelle on va travailler tout de suite. Allez, je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Alors, fiche de retraitement, qu'est-ce que c'est? Donc, il y en a, il y a l'actif, sur votre table de verre, vous allez le fractionner en deux grandes parties, actif et passif. L'actif, il y a des sous-colonnes. Côté actif, côté passif. Alors, je nomme les colonnes, actif immobilisé, valeur d'exploitation, valeur réalisable, trésorerie actif. Au côté passif, on a les capitaux propres, dette à moyen long terme, dette à court terme, trésorerie passif. Vous allez tirer la ligne, on va faire total bilan comptable ou bilan financier. On déroule les montants, les 9 bilans, les 9 exercices. Chaque poste, on déroule le total net. On déroule les retraitements, et après, on va aboutir au bilan financier. Alors, je vous donne 3 ou 4 minutes pour écrire la fiche qu'on a dessinée sur un bout de papier. Comme ça, on va la remplir sur la base d'un exercice. OK? Est-ce que vous me recevez? Oui, monsieur. Bien. Dites-moi quand vous aurez terminé d'écrire la fiche.
هاد لو طابلو تخلي واحد هاد لا بروفوندور غديروا فيه واحد 7 ولا 8 لين خاوين هادو كوم سا باسكو اون فا رامبليغ دي بوست كون فا روتريتي اون فونكسيون دو ليكزيرسيس بيان سور وكدير هاد لا كولون تهبطها تقريبا في اكثر من لا مواتي دو لا باج كو فوزافي اولا خليها توتال بيلون فينونسي ما ديروهاش جوسكو سكون تيرمين لو كالكول اون فا تراسي هاد لا لين هادي وعاد اون فا رامبليغ سميتو لو نوفو لي نوفو سولد ايسي. Est-ce que vous avez fini ou le mazel? On a fini, monsieur. Très bien. Alors, en dos de l'exercice, très facile. On va commencer par des exercices faciles et après. Ah. On a un exercice. Alors, l'actif immobilisé fait immobilisation en non-valeur. On a des immobilisations en non-valeur fait un. Frais préliminaires, montant brut 20, amortissement 10, valeur nette 10. Charge à répartir sur plusieurs exercices à la valeur brute, mais en plus l'amortissement, 105. Immobilisation corporelle, admet le terrain 90, il n'est pas amortissable, donc 90. Construction, admet 60, amorti pour 20, prat 40. Installation matérielle, outillage, 30, amorti pour 10, ça reste 20. Et ainsi de suite, chez les postes, وعندنا في الباسيف عندنا كابيتال سوسيال 100 عندنا ريزولتا نت ديكزيرسيس 10 ميسيو سي فو بلي ميسيو ميسيو اون فوا با ليكزيرسيس اون فوا با ليكران ليكران اي بلوكي سور لي اكسل بون كيبان لك معايا الاكسل وي ميسيو ديل ديبي اون فوا با لي ليكزيرسيس اي فالي مي لو دير كومو فولي بو كو جو ساش كو جو لو ساش ناتي On ne sait pas quel tableau on va tracer. Vous n'avez même pas tracé le tableau. Non, monsieur, parce que l'écran est bloqué. D'accord. Monsieur, dès le début. Je touche le tableau, là. Non, monsieur. Qui vient d'abord? Oui. Alors faites-le rapidement. Là, tout de suite. Tu peux zoomer un petit peu. Alors fais là le zoom. Okay. Là, zoomer un petit peu l'écran. D'accord. À droite, c'est de la moitié de zoom, ça. Voilà. يبان لكم هذا الطابلو هذا نو كيفاش الكورد هذا كيفاش الطابلو مسيو اون فوا لو كور اخ بلاتي حيت هاد الدوكيمون راه عندكم دابا L'affichage, je vais mettre mon affichage. Bon, d'accord. À tout table, vous le recevez, hein, d'ailleurs, Excel. Oui ou non? Ah, c'est ça. Oui ou non? Oui, monsieur. Alors, attends, je vais oui, monsieur. Élément, là, actif immobilisé, valeur d'exploitation. فالور رياليزاب هادشي كلشي فيه هنا اكتيف ها هو القيده حيت غنخدموها بهذا وهنا غندير باسيف ها هو باسيف فيه كابيتو بروب ديتا موي لون تيرم ديتا كور تيرم اي تريزوري باسيف تريزوري باسيف ماشي تريزور فوالا غدير هنا بيلون fonctionnel, on dit les montants d'hier, non, 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 etc. On va dire le retraitement, on va les mettre. Ça va? D'accord. C'est le tableau en deux grandes parties, actif, passif, derrière les sous-rubriques, derrière total bilan, retraitement, maintenant on va les remplir, on va les renseigner ensemble. C'est la fiche de retraitement.
fiche de retraitement du bilan. Il doit, non? Fiche de retraite. Ça va? Oui, monsieur. Rejoins l'exercice. De l'affichage en une seule page n'est pas la fonctionnalité ici. C'est bon, bien, très bien. Et bien, je suis à l'étable, oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est les yeux. Je vais essayer d'agrandir encore. C'est une image, c'est pour ça que ça saute. Kevin, je suis là. Oui, monsieur, c'est clair. Alors, monsieur, d'abord, chauffe. Actif immobilisé. Nous qui de l'actif immobilisé, mais le bilan, le bilan comptable fonctionnel. Nous qui, je nous fais actif immobilisé, je nomme les postes rapidement. Les immobilisations en valeur incorporelle, corporelle. Financière. Et financière. Ah. Donc, les gens, non. Vous allez additionner même le titre de participation. Donc, l'actif immobilisé. On a la valeur nette. C'est-à-dire 10 plus 5. Prenez une calculatrice. 10 plus 5 plus 90 plus 40 plus 20 plus 5 plus 15. Je vous jette. Monsieur, c'est 185. 185, on a dit que c'est bien. Non. Actif immobilisé, mais le bilan fonctionne. On dit 185. Je vais écrire en noir. Hassan. OK. Je vais d'abord l'autre poste. Valeur d'exploitation. Je n'ai pas valeur d'exploitation. Je n'ai pas valeur d'exploitation sur la comptabilité. Comment les stocks? C'est tout. Stock de matières premières, de produits finis, de marchandises, des travaux en cours. Comment les valeurs d'exploitation? Je suis à l'aide des valeurs d'exploitation. On voit pas le fichier Excel. Hein? On ne voit pas le fichier Excel. Même riche de Excel. On a le bilan de valeur d'exploitation. Combien le montant? Combien? Quel le stock? 92. Non, monsieur. 30. Hein, les marchandises. Marchandises, à quoi stock? Hein? 40, donnez-les une dotation provision de 10, faites-les à 30, oui ou non? Oui, monsieur. À 30, valeur d'exploitation, c'est 30. Monsieur, le deuxième tableau, on ne le voit pas. Ah, dit l'Excel, mais qui bench? Yep. Non, monsieur. Oui, monsieur, on ne le voit pas. D'abord? D'abord, monsieur. Oui, d'abord. Il faut me le dire parce que je ne peux pas savoir est-ce que vous voyez ou pas. D'accord? Ah, ouais, 30. Ah, ouais, valeur d'exploitation, 30. Monsieur, la suite de l'exercice. Qui est-ce que d'abord, Word, yep. Oui ou non? Non. 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 Les créances et TVP. Et TVP, exact. Donc les créances, toutes sortes de créances commerciales, autres débiteurs et tout ça. Je me rends compte que le montant total de votre réalisable. Challenge. 45. Andy, les clients et autres. Non. Monsieur, 60 plus 17. Je vous le plan comptable.
Alors, valeur réalisable, je nous ferme. Les clients, monsieur. Oui. Les autres débiteurs. Autres débiteurs. Donc, ça fait 45 plus 17. C'est aussi facile. 62. Johanna, Al-Qaïdo. 62. Monsieur, on ne voit pas le tableau. D'accord. C'est pas pour. Chaque fois, je dois taper là-dessus. C'est pas normal. Non, il y a un problème. On ne voit pas le tableau. Excel, vous ne le voyez pas maintenant? Non, maintenant, c'est bien. Ah. Maintenant, c'est bien. Maintenant, c'est bien. D'accord. Donc, à des valeurs réalisables, 62. Monsieur, la suite. Vous voyez Double Word. Trésor actif, Chad. Non, on ne voit pas. Et donc, c'est 3. Voilà. Combien? 3. D'abord, Adine Diro. Qu'est-ce que vous avez Excel là? Pas encore. Non, monsieur. Pas encore. Exercice. OK. D'abord? Oui. Alors d'abord, on vient de finir avec l'actif bilan fonctionnel. Dernaga les postes, rendez-vous d'abord passif. Les capitaux propres. Les capitaux propres. Tu oublies les capitaux propres finaux. Qui est le word d'abord? Oui, monsieur. Les capitaux propres. Je suis monsieur en comptable, je nous fais les capitaux propres. Attendez le total. Capital social, monsieur. Oui. Capital social. Et le résultat oui. Et le résultat de l'exercice net de l'exercice. Et les provisions pour risques et charges? Non, là, non, non. Ce sont, seulement capital social. Donc, combien le montant que vous suggérez 110. 110. C'est 110 exact. Exact. Derna, 110. Je vais les dettes à moyen long terme. J'attends. Dettes à moyen long terme, combien? 70. 70. Je vous l'ai dit, les provisions pour risque et charge. Donc, vous n'avez pas à votre disposition le plan comptable. Dette de financement ou monsieur, les dettes de financement seulement. Ouais. Les dettes de financement seulement, monsieur, non? Oh, c'est provision. C'est 70. Non. Prof, c'est 100. Quand on fait une provision pour risque et charge, à quoi il est destiné cette provision? Pardon, monsieur? Quand on constitue une provision pour risque et charge, pourquoi on la constitue? Comme une dette. On assimile à une dette parce qu'on est sûr, on est presque sûr, on n'est pas sûr à 100%, mais on est persuadé qu'il va y avoir un risque et on fait une provision. Donc, avec la provision, il ne faut plus qu'on compte là-dessus parce qu'il est appelé à couvrir le risque. Oui ou non? Oui. Donc, pour nous, c'est une provision qui est appelée à faire face à un risque probable. Donc, on va l'assimiler à une dette, ce n'est plus notre argent. OK?
Donc, les 70 plus les 30, ça nous donne 100. Combien? 100. Alors, mettez devant, dette à moyen long terme, 100. Aïe, 100. On continue. Dette à court terme, combien ici? Passif circuit. Voilà. Donc, je fais 45 plus 15. Il y a 60. 60. Votre trésorerie passive, 10. Donc, on va l'annoter en même temps pour gagner du temps. Je vais vous donner dette à court terme. 60. Chaque 9 dettes passives, 10. Très bien. Là, on va donner les retraites modiennes. On a additionné les postes tels qu'ils se présentaient. On n'a fait aucune modification. Là, on va voir quels sont les postes qui ont bougé pour passer du bilan fonctionnel au bilan financier. Donc, je mets retraite. Bon, et je commence là. Quel est le premier poste à retraiter? Donc, chez l'exercice d'Yoli, on va voir. Alors, je vais les frais préliminaires. Autre information. Pardon. Frais préliminaires, votre camarade a raison. Les frais préliminaires, on les considère comme des non-valeurs. Je vous donne pour les non-valeurs. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Qu'est-ce qu'on on va les retrancher. On doit les retrancher. Des immobilisations. L'actif et on doit les retrancher des capitaux propres du passé pour maintenir l'équilibre. OK? Alors, quel est le montant des les non-valeurs à Adnanaïr? C'est 10. C'est 15. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est 15, monsieur. C'est 15. Donc, regardez, Michel, Lena, vous allez mettre. On dit, Lena, retraitement, dès le premier poste, on se met aux non-valeurs. Ah. En valeur, chagna. Regardez le signe, on va faire le signe, on va faire le signe, moins 15. Yeah. Comme je l'ai enlevé de l'actif, je dois enlever le passif de la même ligne. On va faire la colonne capitaux propres. On va dire, tiens, moins 15. Ça va? Oui, monsieur. Alors, vous écrivez, on avance. Je suis d'abord la suite. Voilà. Deuxième opération, la valeur réelle du terrain est de 115. C'est-à-dire, on a estimé le terrain aujourd'hui, il est de 115. Quel est son montant d'origine où le terrain a le bilan? Regarde, cherche-le. 90. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une plus-value ou une moins-value sur terrain? Moins-value. Il y a moins-value. Hein? Value. Plus value ou la moins value? Moins value. Non, il y a une plus value. Le terrain, vous l'avez comptabilisé 90, aujourd'hui il vaut 115. Il y a une plus value. C'est plus value, oui. Alors, plus value de combien? 115 moins 90? 25. Il y a 25. 25, oui. Donc, Ranchin, le poste, il y a le terrain. On dit un terrain. Terrain fait partie de quoi? Des actifs immobilisés. Je vais dire plus 15. 25. D'accord. On dit ça. Capital propre. Mais je n'ai pas l'équilibre. C'est comme une balance, pas une misère. Vous كدير واحد ان بوا في واحد الكفه خصك تزيدو في الكفه الاخرى نقصتي من واحد الكفه نقص من واحد الكفه ايماجين الميزان فيه لاكتيف والباسيف جوج كفات لاحظوا لي مونطون ديما بحال كنشوف لي ميم سين في لي دو بارتي ديال لو بيلون بلس 25 بلس 25 سي اون بلو فاغ اون با فوا لا سويت
La valeur vénale des constructions est de 35. Vénale, c'est-à-dire la valeur réelle, la valeur d'aujourd'hui. 35. Chacun de la valeur des constructions. 40. J'ai eu le bilan encore. Chal. C'est 40. 60, 67. Construction, la valeur d'elle comptable est de 40. Chal ou l'adaba la valeur vénale, gna 35. Je parle de construction, de dépréciation, la moins value, exact. Donc, un chi, un dièse, combien 5. Voilà, 5. Moins combien Moins 5. Très bien. On dirait la construction. On dit moins 5, les capteurs propres. Toutes les plus-values et moins-values, ils jouent avec les capteurs propres uniquement. Alors, allez. D'accord. Ouais. J'ai la suite encore. Les prêts immobilisés comportent un prêt personnel de 3 à régler dans 7 mois. Les prêts immobilisés, pourquoi on les appelle immobilisés? Parce qu'ils ont une échéance qui dépasse une année. Vous savez que le bilan comptable, il suit une disposition simple, dichotomique. Plus d'un an, moins d'un an, ça fait. Chaque poste qui a plus d'un an, qui a l'immobilisation. Chaque poste qui a moins d'un an, qui a une journée, qui a l'actif circulant. Les prêts immobilisés, ils figurent dans les immobilisations. OK? Oui. Mais maintenant, il vous a donné une précision. Les machines sur le bilan, il comporte un prêt personnel. On avait prêté à quelqu'un, maintenant sur 2 ans, 3 ans, mais il doit nous régler 3 dans moins dans 7 mois, c'est-à-dire moins d'un an. On va prendre les 3, on va les retrancher de là, et on va les mettre dans l'actif circulant. Dans l'actif circulant, exact. Dans l'actif circulant. Je vais en dire un prêt personnel. On va dire un chal, moins 3, yak. Puis on dire d'abord l'actif circulant, c'est-à-dire valeur réalisable, c'est ça? C'est-à-dire il va me le rembourser à court terme. On va dire plus. Qu'est-ce que vous remarquez? Le 3, il s'est déplacé d'un poste de l'actif à un autre poste de l'actif. Donc, on ne va pas toucher le passif. Tu as compris où il est là? Oui. On l'a déplacé d'un emplacement, mais qui reste toujours dans l'actif. Alors, on avance. La valeur sur le marché financier des titres de participation est de 23. Les titres de participation, théoriquement, ils font partie de l'actif immobilisé. Il y a quoi là? Donc, la valeur sur le marché, elle des actions. Quand vous bien les actions, le prix d'elle, il monte, il baisse au jour le jour sur le marché. Alors, elles sont de 23. Chacun offre le bilan. Donc, on va aller à 23. 15. Donc, on va voir. C'est une plus-value. Ah, monsieur, c'est bien. C'est ça. Jeanne. Bon, le bilan, je suis bon pour confirmer à vos camarades qui n'ont pas fait attention. Je voulais les titres de participation à la finale. Ah. Cano 15. Chal ou le Odeva? 23. Ok, je crois. Plus value. Il y a une plus value. De combien? Oui, oui, oui. Oui. De 8. Donc, allez, monsieur, le bilan d'Yana qu'on est en train de retraiter, on va dire là, titre de participation.
شحال غندير؟ 8 بلس 8 وتزادت في الكابيتو بروب بحال شتي بلو فالي بلس 8 صافا؟ وي مسيو الوغ نمشيو لا سويت اونكور L'entreprise dispose d'un portefeuille d'effets de commerce de 12, tous escomptables auprès de sa banque. Je n'ai escomptable. C'est-à-dire qu'on peut facilement les échanger contre l'argent. Tu as oublié. Vous avez cité. Donc, c'est comme si on avait de l'argent. Okay? Les postes autres débiteurs, vous avez. Hein? Vous avez sauté une ligne. Vous avez dépensé les postes autres débiteurs. J'ai sauté une. Ah, le poste. Alors, le poste autre débiteur comporte une créance de 6 à régler dans 17 mois. Ça me dirait. L'activité immobilisée. Plus immobilisée et moins dans créance. Voilà. Je vous dis comme Kabila. Ce genre de question, tu attaques la variation de la durée. Le poste autre débiteur, oui, il est à court terme, Aslan. Mais il comporte une créance de 6. De la 6, il va être réglé dans plus d'un an. Donc, je dois la mettre parmi les postes qui dépassent un an. Un an. Et donc, je vais les mettre dans les postes immobilisés. Donc, je vais les retrancher dans le réalisable et je vais les mettre dans actif immobilisé. 6. Des autres débiteurs, hier. Chal Gunna. Je vais les retrancher. Mais le valeur réalisable, je vais dire là, moins 6. Moins 6. Actif immobilisé. L'actif immobilisé, plus 6. Voilà, moins 6. On dirait là, plus 6. C'est ça? Oui. Voilà. Je ne touche pas au passif parce que j'ai échangé de poste à l'actif. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? L'entreprise dispose d'un portefeuille d'effets de commerce de 12, tous escomptables près de sa banque. Escomptables, c'est-à-dire sur lesquels on peut obtenir de l'argent tout de suite. C'est comme si on avait de l'argent. Donc, je me rends dire non. Puis, quels sont les effets de commerce, Aslan? Quels sont réalisables? Donc, on dit là, effet escomptable. J'en dis, je vais les retrancher dans le réalisable. Quel est le montant de l'écoute? 12. Moins 12, on dirait la trésorerie. C'est comme si j'ai de l'argent, c'est tout. Voilà, je ne touche pas le passif parce que je les ai changés entre deux postes de l'actif. Effet escomptable, c'est comme si vous avez de l'argent, donc je les mets là. Je n'ai pas compris. L'entreprise dispose d'un portefeuille, c'est-à-dire un lot, d'un ensemble d'effets de commerce de 12, tous escomptables près de sa banque. Vous savez que la banque n'escompte pas tous les effets. Il n'escompte que les effets qui sont émis par de bons clients. OK? Lèche. Parce que s'il vous escompte un effet émis par un client mauvais payeur qui n'est pas solvable, eh ben, il aura des problèmes avec vous. Parce qu'à l'échéance, le client ne paiera pas et la banque va avoir un impayé, il doit provisionner, il doit faire le recouvrement. Alors, vous avez fait un peu le traitement des impayés, oui ou non? Vous avez fait les dotations provisions? Oui. Sur quelle base on fait des provisions pour clients douteux, pré-douteux?
شنو بلي باس Comment on doit montrer l'insolvabilité? Je crois que vous avez travaillé ça en comptabilité. Allô? Allô, oui, prof. Est-ce que vous avez fait les dotations de provision? Vous ne les avez pas fait? Oui, on a fait. Et ouais, répondez. Monsieur, on débite client douteux ou litigieux et on crédite client et compte rattaché. D'accord. Mounbet, qu'est-ce que vous faites quand vous logez cette partie dans le client litigieux? Qu'est-ce que vous devez faire en même temps? On constate une provision. Vous devez constater une provision. Une autre démarche en plus. Annuler. Hein? Vous devez engager une procédure de recouvrement. Je n'ai le recouvrement. Le fisc ne va pas reconnaître la provision. Si vous, c'est-à-dire que vous devez attaquer ce client en justice. Entendez? Qu'est-ce que c'est? On vous entend, monsieur. Il y a certaines sociétés qui peuvent s'amuser à constituer des provisions pour minimiser le résultat imposable. Oui. Mais sans attaquer leurs clients pour des buts, des motifs commerciaux. Parce que si vous attaquez un client en justice, vous risquez de le perdre. Et donc, le fils de Goulak, je ne reconnais la provision que si vous engagez une procédure de recouvrement. Vous montrez vraiment que vous êtes fâché avec votre client et que vous voulez récupérer votre argent. Alors, la banque, quand il voit qu'il y a des effets de commerce qui risquent de revenir impayés, s'il vous escompte un taillis, il doit provisionner. Il doit intenter une action en justice. C'est coûteux, donc il préfère ne pas escompter les effets qui ne sont pas émis par de bons clients. Donc, les effets escomptables, c'est déjà des effets qui sont triés, sélectionnés par la banque, et qui sont de bonne qualité. Et donc, c'est comme s'il s'agissait de l'argent dans votre compte. Par exemple, vous êtes un fournisseur des détergents. Vous vendez une marchandise à un société Margène. Margène, il est connu, c'est un très bon payeur. Et attaque un effet de commerce sur 60 jours. Si vous ramenez l'effet à votre banque, la BMC, il va vous donner de l'argent tout de suite parce qu'il sait que Margène va payer. Par contre, si vous livrez la même marchandise à un client qui n'est pas connu, qui a des difficultés, avec l'effet risque de ne pas être payé. Et donc, la banque vous dit, par exemple, seuls les effets de marge, je peux les escompter. Donc, avec les effets de marge, vous savez que ce sont presque de l'argent. C'est ce qu'on appelle les effets escomptables. Et donc, les 12, je vais les retrancher maintenant, le réalisable, et je vais les mettre dans la trésorerie, comme s'il s'agissait de l'argent déjà en ma possession. Allez, j'ai mis moins 12 dans le réalisable. Réalisable. J'ai mis plus 12 dans la trésorerie active dans le compte. Ça va? Oui, monsieur. Alors, on avance. Je n'en parle pas là. 40% du résultat sera distribué aux actionnaires dans 3 mois. J'ai l'air de me dire le résultat. Résultat net de l'exercice. Oui, combien? 180. Non? 10, monsieur. C'est 10.
On va distribuer 40%, chaque 40% de 10. C'est 4, monsieur. C'est 4. Franchement, quatre. Vous ne savez pas faire des calculs, mais je ne sais pas ce que vous faites dans cette discipline de gestion, franchement. Donc, 40% de 10, c'est 4. Donc, je vais dire, je vais les retrancher des capitaux propres, les calculs à cela, et je vais les mettre en dette à court terme, dividende associé à associé dividende à payer. 4. Vous avez commencé la compta de société, la maison? Non? On a commencé le chapitre 1, monsieur. D'accord, c'est bien. Alors, on vient dire, dividende. Tout le monde sait qu'est-ce qu'un dividende? Oui ou non? Oui, monsieur, c'est la part des actionnaires, le résultat net. C'est la part qui est distribuée aux actionnaires, qui ne reste pas dans la société. Donc, comme il ne reste pas dans la société, je vais la retrancher mes capitaux propres, moins 4, pour un dirham dette à court terme, plus 4. Ça va? La dette à court terme, chez Haï. Chnopka? Une partie des dettes fournisseurs 13 est à régler dans 18 mois. Fournisseur Finkin, dans quelle rubrique? Monsieur, les dettes dans les dettes? Le passif circulant. Dans le passif circulant, c'est-à-dire dans les dettes à court terme. Il vous dit, non, une partie des dettes fournisseurs sera réglée à plus d'un an. Je fais une 12 mois. À 18 mois, non. 13 à 18 mois, donc plus. Donc, je vais la mettre dans les dettes à plus d'un an, donc dans les dettes de financement. Donc, 13, je vais la retrancher. Une dette à court terme. Plus à dette à long terme. Et on va dire fournisseur. Et où Aslan, tu comptes les dettes à court terme. Donc, on va dire non. Moins 13. On va dire là. Dette à plus d'un an, allez, plus 13. Ça fait. C'est tout ce qu'il y a. D'abord, on va additionner les colonnes, on s'aligne l'exercice. On va dire, on a. Voilà. Voilà. تعطوني دابا التوتال ديال هاد الكولون انا نعطيكم الشيفر ترجع دابا شوف خذ كالكولاتريس دير 185 باش بدينا هي وزالي اجوتي غوترونشي توت سي زوبيراسيون اللي درنا قبيله غدير 185 285 موان 15 بلس 25 موان 5 موان 3 بلس 8 بلس 6 شحال عطاتك 201 نقيد انا هنا 201 دوز لا دوزيام كولون بدينا ب 60 ب 30 ما كاين حتى شي عمليه بقى 30 هاي ثوازيام كولون بدينا ب 62 زيد عليها 3 غوترانش 6 غوترانش 12 شحال 47. 47. Aïe, 47. Zid. Sur le trésor actif, quand 3, vous êtes allé à 12. C'est celui qui est, je crois. 15. 15. Aïe, 15. Très bien. Sur le passif, nous sommes chez 910. Et là, d'abord, retranche 15. Zid 25. Poste 5. Zid 8. Poste 4. J'attends. 119. Ah. 119. 119. Voilà, aïe. Je suis la dette de financement, je suis 100. Je suis à 13. 113. Il qui est. Aïe. Aïe. Dette à court terme, je suis 60.
زدنا 4 ونقصنا 13 51 يعني هذه ما تبدلاتش بقات 10 دابا كله غادير 201 بلس 30 بلس 47 بلس 15 293 On vient de retraiter le bilan. Donc, parce que là, je sais que le bilan est d'origine total actif. Le oul. Je vais en 280. Exact. Ah ouais, le net. Je sais que le total actif. 293. Le montant, il a changé. La disposition des postes, il a changé. Le bilan voit la vraie situation de l'entreprise. On a la possibilité de calculer des indicateurs de gestion. C'est-à-dire qu'on peut calculer les ratios, les ratios de le cours, le fonds de roulement, etc. OK? Donc, on va faire un compte tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Je vais la mettre ici, je vous l'envoie tout à l'heure. Bon, nous rejoignons le document d'Yelna. Donc, je préfère ne pas faire fondre le monde, besoin de fondre le monde, je vais faire mon bête. Donc, on a l'exercice numéro 3. OK? Tu es bien comme là? Oui. Donc, là, tu veux établir le bilan financier de la société AXER. Vous disposez d'informations complémentaires en annexe du bilan. Donc, là, le bilan est un peu plus détaillé que le précédent. C'est naturel. On commence à faire le. Plus en détail, je vais agrandir ça, je vais aller comme bien. Tu es bien, je suis Ayak, les chiffres. Oui, monsieur, c'est clair. C'est clair, c'est très bien. Donc, maintenant, les postes de bilan, je vais vous montrer. Ce qui nous intéresse le plus, dit les non-valeurs, parce que c'est normal. Maintenant, le concours bancaire courant 2000. Est-ce un concours bancaire courant? Courant, c'est-à-dire à très court terme. Puis, qui connaît les concours bancaires? Qui connaît les emprunts auprès des établissements de crédit, hein, emprunt et dette auprès des établissements de crédit. Donc, tu veux que 5 857 000, qui a 2 000, il est à court terme. Donc, on doit la retrancher ici, on doit la mettre dans le court terme. Engagement de crédit bail, 1 700 000. Puis, qui a le crédit bail, fait le bilan. Puis, qui a qui est le crédit bail? Les dettes. Bah, tout simplement, ma cage. Allez, je vous le là. Le crédit bail, c'est pas un prêt, pas une location.
Quand vous prenez un camion leasing, à qui appartient le camion? Est-ce que à l'entreprise ou bien à la société de leasing? La société de leasing. D'accord. Donc le camion va figurer dans le bilan d'El Maghreba ou la Maroc Leasing. Mais la société qui utilise le camion, là, en allocation, il va payer des redevances qui apparaissent dans un compte du CPC qui s'appelle autre charge, charge locative, redevance locative. OK? Donc, est-ce que le retraitement des langages du crédit bail, c'est quand on utilise le mobilier, on doit le réintégrer dans les immobilisations pour sa valeur nette et réintégrer le même montant dans les dettes de financement. Alors, dividendes sur les bénéfices, donc les dividendes dément ou les retranches de résultats dans les dettes à court terme, c'est tout. Donc, là, un exercice. Alors, cet exercice qui est un peu vague pour vous. Alors, on va faire une chose. D'accord? Je vais vous envoyer un exercice par message séparé. Ou les deux exercices. Vous allez réfléchir là-dessus. Vous allez essayer de construire avec la fiche de retraitement. Dima, pour passer du bilan comptable au bilan financier, Dima, il faut faire la fiche. OK? Dima, c'est le support de l'ouïe. Donc, il faut mettre toujours le total net de la dépense, Dima net. On va commencer à tenir compte des précisions de l'exercice. OK? Alors, je vais vous envoyer aujourd'hui deux exercices. Vous allez essayer de le faire d'après ce que vous allez comprendre. Il n'y a pas de problème. Si vous vous trompez, vous êtes au stade d'apprentissage, il n'y a aucun souci. Le seul souci, c'est que vous ne fassiez pas l'exercice. Ça, c'est grave. On va faire comme un ou deux exercices aujourd'hui. Donc, vous allez donc essayer de les faire. Alors, si vous avez des questions sur l'exercice, vous allez les donner à toutes les questions le délégué. Yeah. Le délégué va regrouper toutes les questions. On va faire un message. واحد. Je vais essayer d'y répondre comme ça pour ne pas bloquer. OK. C'est bien ou là. Donc si vous ne comprenez pas quelque chose, faites l'exercice en simple. Mettez la question, après le délégué accepte aller en accepter les réponses, donc les réponses il doit les diffuser à tout le monde, monsieur à celui ou à celle qui a posé la question. OK. D'accord, parfait. D'accord, monsieur. Yalla, je vous souhaite bonne fin de semaine ou à la semaine prochaine, inchallah. Yalla. Par rapport à l'enregistrement. Alors, l'enregistrement, je vais essayer de voir comment on le met sur la plateforme. Bien. On ne peut pas l'envoyer par email. Non. Parce qu'il est trop volumineux. Alors, Anna, je vais essayer de le mettre dans la plateforme. Ça fait, ne vous en faites pas. Le premier enregistrement est. Le premier, on a refait la séance aujourd'hui. C'est ce qu'on avait dit, on l'a refait aujourd'hui. Cool. On a parlé de tous les retraitements et tout ça. La première semaine, on avait parlé du programme, l'utilité de l'analyse financière. C'est des généralités qui figurent sur le support, les hand comme d'un point. OK? D'accord, monsieur. Et alors, je ne sais pas, il y a beaucoup d'absents. Je ne sais pas, est-ce que c'est dans tous les cours, c'est comme ça? Vous êtes combien dans la promotion? On ne sait pas. C'est ce qu'on a une séance, monsieur? Hein? Une autre séance aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Alors, le délégué va dire deux ou trois possibilités durant la semaine de placer une deuxième séance. Est-ce qu'il Monsieur est lundi. Hein? Monsieur lundi, lundi matin, le seul lundi. Le seul lundi. À quelle heure? Matin. معاش بغيتو ديروا لنا غير الوحده من غير الوحده من غير تريزور اللي عندنا ليكونومي مونيتير قبل ما تريزور عندنا خاوي alors غنديروا اون سيونس لو لاندي 8h30 يلا قيدها اوكي okay?
Ok, monsieur, merci. D'accord. Oui, monsieur, merci beaucoup. Merci. Alors, essayez de faire l'exercice, les renseignements comme Lyon, pour l'Inde. S'il y a des questions, des ambiguïtés, passez par le délégué. Monsieur, et pour l'enregistrement, s'il vous plaît. Non. Monsieur, l'enregistrement, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de voir avec le technicien de la fac comment le placer dans la plateforme. D'accord, monsieur. Okay. D'accord, merci. Et je vais le placer, hein, aucun souci. D'accord. Alors, là, il est comme cela. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur.